Ouais, donc en fait, dès le départ, t'aurais pas eu de thune, de toute façon, je serais pas avec toi. Cette vidéo, les amis, sera sponsorisée par... Et même s'il y a une marque d'oignons, je suis prenant, moi. Sponsorisez-moi. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'amour. Et aussi, on va parler d'argent et de michetonnerie. Donc là, on va voir un gars qui va essayer de piéger sa meuf. Donc là, on va rentrer directement dans le sujet. Pas, Louis, là. Avec moi, mon ressenti, franchement, pas du tout, quoi. D'accord. Moi, je serais vraiment choqué si c'était le cas, quoi. Franchement, On appelle, Charlotte, on appelle. Présente bien les choses, Louis, hein, quand même. Ouais. Ok, merci. Ça sonne. Allô ? Ouais, chérie, c'est moi. Oui. T'es à la maison, là ? Oui. Ok, je t'appelle, là, parce que, en fait, il faut que je te dise quelque chose. C'est pas évident à dire, mais faut que je te le dise, quoi. Okay. Je me suis fait passer pour quelqu'un que je suis pas, clairement, quoi. Là, c'est chaud, là. Là, on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir ce qu'elle va dire. Alors, dites-moi en commentaire, les gars, vous pensez quoi ce qu'elle va dire, là? Parce que là, ça... Waouh, allez-y. C'est-à-dire? Bah, tu sais, tout ce que je te paye, enfin, les bijoux, les vêtements, les sorties sur Deauville le week-end, l'hôtel, tout ça. Ouais. Déjà, là, on sait que le mec, il l'aimait bien. Deauville, tout ça, sorties, la plage, les bijoux, nanani, nanana. Bah, clairement, enfin, ça a pu être possible, quoi. Pourquoi? Ça pique, ça. Quand tu profites bien de la vie, après, on te dit, écoute, c'est plus possible. C'est pour ça, les filles, un petit conseil pour les filles, soyez indépendantes, ok? C'est pas un jour ton mec te dit, bah, écoute, j'ai plus d'argent et toi, tu retombes, piou, à zéro. Non! Sois indépendante, tu vois? Même si t'es avec un mec, un conseil meuf, coffre, même s'il te paye tout, coffre. Tu vois, quand tu travailles, mets de côté. C'est pas t'es là comme une folle, tu dépenses. Non, coffre, meuf. Seul jour où il te lâche, tu viens pleurer. Non, tu peux pleurer avec des billets, c'est mieux. Simplement, parce que quand je t'ai rencontré, voilà, je t'ai fait croire peut-être à des choses que j'aurais pas dû, comme que j'avais de l'argent. Donc, en effet, j'avais un peu d'argent de côté. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Waouh. Un petit conseil pour les gars. Les gars, écoutez-moi. Vraiment, il n'y a aucune honte de ne pas avoir d'argent. Il n'y a vraiment aucune honte. Ok, les gars? Bon, les gars, moi, je suis en train de faire une vidéo, ok? Et Lia, elle est à côté, comme ça. Mais tu prends mon truc! En plus, je fais Ramadan, donc, enlève ça de moi. Mais je vais pas toucher. Non, je regarde. Bon, bref. Oui, les gars, un petit truc. Franchement, il y a aucune honte de ne pas avoir d'argent, les amis. Vraiment, il y a aucune honte. T'as pas d'argent, il y a plein de trucs à faire. Regarde, un conseil. T'es sur Paris, on va dire, ok? Les quais de Seine, c'est gratuit. Tu prends ta petite meuf, vous allez sur les quais de Seine, vous baladez, c'est gratuit. Tu veux un jus? T'es pas obligé d'acheter un jus à je sais pas quoi. T'achètes un jus à Carrefour, ça coûte 2 euros ou 1 euro, je sais pas combien. Et tu le prends avec elle, posez quai de Seine, buvez un peu de chips, un peu de ça. 5 euros, t'es posé avec ta meuf. Pas plus. 5 euros, ça te suffit. T'as des chips, t'as genre 2 pommes et t'as 1 litre de jus d'orange. Et posez, vous buvez du jus, vous parlez, vous rigolez avec une petite enceinte, tout téléphone, la musique, tu la tiens comme ça, tu vois. Et vous êtes bien, les gars. Tu vois, t'es obligé de rester, t'as pas d'argent, reste de lui. Écoute, kebab, la vie que des couples. Ils sont mariés maintenant, ils ont des enfants, ils sont heureux, ils ont fait des kebabs et tout. Maintenant, Dieu merci, ils ont réussi dans leur vie, tu vois. Donc, c'est pas une honte d'amener une meuf au kebab. Tu vois, et kebab, c'est très bon. Tu vois, devoir rester, des fois, tu sors, t'as encore faim. Kebab, au moins, tu sors, t'as plus faim, tu vois. Donc, les amis, faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte, les amis, de ne pas avoir d'argent, tu vois. Ok, il faut que la meuf comprenne, tu dis chérie, j'ai pas encore d'argent, mais je vais travailler, tu sais, le plus important. Pour moi, la honte, c'est de ne pas se donner les moyens, de réussir, mais vraiment pas genre, t'es là, tu travailles pas, tu fous rien, tu glandes toute ta vie, tu dis ouais, l'état m'a pas donné, la vie est dure, je sais pas quoi, non. Lève-toi et travaille et tu verras que tu peux avoir vraiment tout ce que tu veux. Même si tu gagnes un peu, tu payes ton loyer, tu fais ça, tu fais ci, et après il va te rester un peu, tu profites de la vie. Tu vois ce que je veux dire, mon ami? Donc franchement, il y a aucune honte de vivre vraiment bas, tu vois. Et plus tard, je vais faire des vlogs sur Paris où je vous montre des trucs pas chers et très très cool. Bon, on continue. Et quand je t'ai rencontré, voilà, enfin, j'avais 8000 euros de côté, et là aujourd'hui, je suis sur un découvert de 850 euros et encore tantôt, j'ai eu la banque au téléphone et c'est tout possible, quoi. C'est une blague. Waouh, le mec il a eu 2 balles, il a claqué sur elle, c'est bon, il a plus rien. Non, pas du tout, pourquoi ça te dérange? Parce qu'en fait, tu viens en fait, là t'es en train de me dire qu'en fait, t'as aucune thune. J'avais, mais j'ai plus quoi, ouais, c'est ça.
Mais comment elle répond? Ça se voit que c'est une miche, tout juste. Ah, mais là, t'as aucune thune. Ouais, donc en fait, dès le départ, t'aurais pas eu thune, de toute façon, je serais pas avec toi. Ouh, pour là, ça pique. T'as aucune thune, je serais pas avec toi, mais c'est dur, ça. Pour moi, ça, c'est une... Je te dis cash. T'es sérieuse, là? Bien sûr que je suis sérieuse. Donc, non, mais attends, en plus, tu me fais... Mais bien sûr que oui, tu crois quoi? Attends, non, mais... tu me dis ça, là... Et tous les moments qu'on passe ensemble et tout, ça se passe très bien, la maison, ça se passe très bien. Non, mais après, c'est facile de faire style qu'on passe des bons moments. Hein. Moi, du moment que derrière, moi, je ramasse les pépettes, c'est nickel. Hein. C'est vraiment une salope, en fait, quoi. Mais ouais, t'as mais j'assume total. Hein. Après, c'est pas de ma faute, hein, si du coup tu m'aimes. C'est pas de ta faute. Tu m'aimes. C'est pas de ma faute si du coup tu m'aimes. Ah ouais, non, c'est vraiment une biatch, les gars, c'est trop, là, waouh. Wow. Tu me dis, chérie, je t'aime et tout, on fait plein de trucs ensemble, et là, je t'appelle ce soir pour t'avouer un peu la vérité, bon, j'ai fini à voir, c'est sûr, mais toi, tu me prends pour un con, quoi, clairement. Ah, ben, c'est sûr que dès le départ, tu m'aurais dit que t'avais pas de thune, je serais pas avec toi. Hein. Bon, bah, moi, ça me mérite d'être clair, quoi. Ah, les gars, ça, en vrai, d'un côté, tu vois, c'est pas bien, en même temps, c'est bien, parce que ça peut vous apprendre un petit truc, c'est que... Vraiment, hein. C'est que dès le début, dis la vérité. T'as l'argent, t'as pas l'argent. Je sais pas, genre t'as 3 ou 4 000 euros. Tu vas t'habiller bien, faire le riche. Et un jour, elle va découvrir, mec, que t'as pas de sous. Tu vois, elle va le découvrir. Donc dès le début, sois franc avec la meuf. Tu vois. Et là, tu vas voir si elle est vraie, si elle t'aime vraiment ou pas. Vraiment, faut être franc dès le départ. J'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, c'est tout. Ah bah ouais, c'est clair. Ça, mais tu seras pas le premier, tu seras pas le dernier. Mais Charlotte, bonsoir Charlotte. Là c'est qui ça? Bonsoir. Là l'émission va lui parler là. On va voir ce qu'elle va lui dire là. Alors j'ai un peu d'argent. J'ai un peu d'argent parce que j'ai mon meilleur ami qui est médecin. Et de temps en temps, je lui fais les poches. Ouais, mais moi je te connais pas, je m'en fous de ta vie. Alors Charlotte, Charlotte, elle va être contente d'être affichée ce soir en direct sur Fun Radio, comme étant. Ça va être affichée nulle part. Hein, Si. Affichée devant toute la France. Ça fait plaisir. En direct là sur Fun Radio, Charlotte. T'es dans l'émission qui s'appelle Love in Fun et on est avec. Enlève la musique, Kassim. Et on est avec Louis. Ah, elle a raccroché. Voilà. Bah oui. Bon. On va la rappeler. Louis. On va. Allez, mais alors, franchement, Louis, t'as rien perdu, mon gars. Ah, wow. Si. T'as raison. Franchement, il a rien perdu. Il a vraiment rien perdu. Il a tout gagné maintenant. Une nouvelle vie pour lui. Et j'espère qu'il va retrouver ses 8000 euros. T'as perdu 8000 euros. Son travail, j'espère que t'en as profité, hein, de son côté. Ouais, bah, surtout elle, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est allé loin, quand même. Franchement, sous le choc. Ouais. Ouais, carrément, complètement. Même moi, je suis sur le choc, les gars. Même moi. Genre, mais c'est fou parce que finalement, en disant que t'avais beaucoup d'argent, voilà, t'as réussi à sortir avec elle. Sinon, c'était injouable, le truc, en fait. C'est ça, ouais. Ça se trouve, tu lui plais même pas. Donc là, c'est une grosse bichetot, quoi. Ou peut-être que là, c'est sur le coup de l'énervement, ou je sais pas. Non, non, arrête. Non, mais bon, t'as vu comment elle a parlé. Elle a quand même un discours hyper rodé, quoi. C'est clair, en mode, ouais, s'il y a pas les pépettes et tout, c'est choquant, quoi. Bah, après, ça doit t'apprendre quelque chose, Louis. Ouais. Il est possible quand même que tu sois un peu naïf. Et que tu ne te rendes pas vraiment compte, parce que peut-être qu'une fille comme ça, tu peux aussi te poser des questions assez rapidement. Voilà, avoir conscience, y aller quand même doucement. T'as toujours dit oui à tout, tu vois, tu dis jamais non. Qu'est-ce que t'essayes d'acheter là? T'essayes d'acheter l'amour, ça s'achète pas. Exactement, l'amour ça ne s'achète pas. C'est pas parce que t'as l'argent, crois pas qu'une meuf tu vas lui payer des restos qu'elle va t'aimer, mec. On veut les hommes, y a les hommes et les omelettes. Les hommes. Comme disent les Algériens. Ah, mais voilà, t'as peut-être pas besoin de ça pour te faire aimer. C'est plus ça qu'il faut retenir. C'est pas la bonne personne, ça. Alors, Louis, ça, c'est sûr. Ouais, et franchement, une meuf, franchement, faut kiffer la vie avec ta meuf. Vraiment profiter, tout ça, sortir, même des trucs pas chers. Tu sais quoi? Je veux dire un truc, moi, j'allais à Cergy. Vous connaissez, Cergy, c'est un centre de loisirs. Il coûte genre 5 euros, mais genre, c'est une fausse plage et tout. Mais la vie, tu t'amuses, tu passes une bête de journée, tu rentres, t'es KO. Tu vois, tu t'amuses, toboggan, plage, tout ça, le sandwich, la merguez, boisson, et la belle vie, les amis, la vie, la belle vie, on était bien. On va essayer de la rappeler, quand même, hein. Si elle décroche, ouais. Essayer d'appeler Charlotte. Ah, c'est vrai. Donc là, on va voir le round 2. Round 2. Pourquoi je parle comme un indien? Doux. Round 2. Waouh. T'as beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère comme Alice. Mais T'arrêtes? Allô? Allô?
Oui. Bonsoir Charlotte, t'es en direct donc sur Fun Radio, ne raccroche pas. Je pense que ça va être important de discuter avec toi parce que Louis a peut-être finalement beaucoup d'argent et peut-être que c'était juste un test pour savoir si voilà tu étais intéressé par lui juste par rapport à son argent. Tu comprends Charlotte? Oui, je comprends, je suis pas débile. Là, elle commence à regretter, là. Elle parle mal. Écoute, en tout cas, elle a beaucoup de personnalité comme Alice. Non, c'est vrai. Non, mais j'ai pas dit que c'était la même chose qu'Alice. Non, pas du tout. Un peu sèche, quoi. Non, c'est ça, quoi. Alors, Charlotte, Louis, t'as dit toute la vérité. Il a tout dépensé pour toi. Lui, il est très, très amoureux de toi. Et là, dans ta façon de réagir, on dirait qu'il n'y a aucun sentiment. Est-ce que l'amour se monétise? Bien sûr. Tu t'es quand même attaché un peu à lui ou c'était vraiment juste pour le côté les week-ends à Deauville et la belle vie? Bah ouais, je me suis attaché un petit peu à lui comme un petit chien qui suit qu'avec sa main. La chienne, c'est trop là, waouh. Abonne-toi et active la cloche. N'oublie pas de partager avec tes amis. Yeah.